à la bonne heure. Et Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec l'immense Guillaume Gallienne. Ah oui, faut le dire. Faut le dire, il a tous les talents. Puis alors, ce tour du monde avec le film Yves Saint Laurent, comme ça, qui cartonne dans le monde entier. Oui, là, au Japon en septembre pour présenter les deux, d'ailleurs. Oui, ouais. Formidable. Ouais, et puis, toujours, on peut le trouver en DVD, c'est les garçons et Guillaume à table. Et enfin, Lucrèce Borgia, première session jusqu'au 20 juillet à la Comédie Française. Après, il faudra passer la saison prochaine, suivante. Ouais. Et puis, Cyril Eldin, Remanie-moi à l'aube. Ça reprend Ah oui, le supplément, vous êtes reconduit. Bah oui, enfin, parce qu'il y a un mercato d'enfer. Au mois de juin, là, c'est la période des remaniements télé aussi. C'est probable. Vous êtes maintenu. A priori, oui. Très bien. Avec nous, Charlotte Desgeorges. Et oui, Stéphane, le temps est venu pour moi de faire mon coming out gallienesque. Et oui, Guillaume, vous ne le savez sans doute pas, mais je suis votre alter ego. Quand vous jouiez les garçons et Guillaume à table, je jouais « Tu seras un homme, ma fille ». Jusqu'à mes 15 ans, quand je rentrais dans une boulangerie, on me disait « Bonjour, jeune homme ». Le premier jour d'école, les enfants attendaient l'appel pour savoir si j'étais un gars ou une fendue. Quand vous vous preniez pour Sissi, l'impératrice, je me prenais pour John Wayne. Quand vous pensiez être gay et amoureux de l'anglais Raymond, je pensais être lesbienne et j'en pensais pour la japonaise Ayumi. Je ressemblais à un mathématicien roumain. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle bonne. J'ai des cheveux longs, un soutif push-up. Je suis maquillée comme un camion volé. Bref, je suis une femme et je regrette tellement. Ah je veux non, dire. Pas, non, oh, non mais la parité, ça n'existe pas, Guillaume. Regardez cette émission. Je suis tout le temps en minorité. Heureusement que vous êtes là. Au conservatoire, j'ai voulu passer Richard III. Ils ont refusé. J'ai raté. À 13 ans, j'ai demandé à me faire opérer pour devenir un homme et ma grand-mère, poupette de la console de l'entrée du vestibule, m'a dit « Oh, écoute, franchement, ma vieille, tu nous emmerdes avec tes histoires de zézette. Poupette, depuis qu'elle a vu votre film, elle rêve de rencontrer votre mère. Elle a besoin de parler, je crois. Elle m'a dit « Cette femme, c'est une sainte. Il faut que je lui parle. Organise-moi un thé, bordel. » Et c'est vrai qu'un thé entre votre mère et poupette de la console de l'entrée du vestibule, le dernier ferme la porte. Ça peut valoir son pesant de cacahuètes, un petit la durée quand vous voulez. Vous avez déclaré « Sexuellement, je peux aller n'importe où, nos limites. » Alors, ça tombe bien parce que je me disais, à votre avis, Guillaume, ça donnerait quoi sexuellement une femme, moi, qui se prend pour un homme, qui coucherait avec un homme, vous, qui se prend pour une femme. Je mets un boxer short, vous mettez une guêpière. Moi, je crois que ce serait super. Ça ferait presque une impression de plusieurs. On est quatre pour le prix de deux. Parce qu'à force à deux, on s'ennuie un peu, vous trouvez pas? Vous allez me dire, oui, mais Charlotte, moi, je suis mariée. Ok, bon, d'accord, mais bon, déjà, je ne suis pas hyper jalouse. Et puis, vous n'êtes pas super fidèle. Je veux dire, un type qui joue Pierre Berger, qui sur scène porte du Christian Lacroix, franchement, n'a aucune leçon de fidélité à me donner. En tout cas, en vous regardant sur scène mardi soir, j'ai eu peur pour vous avec tous ces vins empoisonnés qui circulent sur le plateau. Parce que quand on connaît la guéguerre interne qui se livre aux Français pour la succession de Muriel Mayette, non, mais parce que, imaginez, si jamais la Mayette veut empoisonner Éric Ruff, qui brigue le trône, mais que secrètement, Denis Podalydès veut empêcher la Mayette de briguer un second mandat et que Ruff a un élan de jalousie envers vous parce que vous faites du cinéma. Oui. On a vite fait de se gourer de carafe et s'il y a une bourde, c'est vous qui allez y passer. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, Guillaume, et ça va être l'escalade. Je veux dire, Ninet va vouloir jouer Roxane dans Cyrano. Christian Eck veut jouer la mouette. Ça va zouker ses verres dans la maison de Molière. Enfin, vous avez raison d'en profiter parce que si c'est Scaretti ou Brunsweig qui reprennent la direction, vous allez m'en rigoler. Sans parler des actrices du français qui doivent avoir bien les nerfs, parce que, excusez-moi, mais enfin, déjà que dans Lucrèce Borgia, il y a 3 meufs pour 10 mecs, si vous mettez en plus et leur piquez tous les rôles de vieille, même quand c'est pas votre emploi, on va pas vous étonner de finir la bave aux lèvres accrochée dans les cintres. Et moi, je veux pas que mon alter ego meure, Guillaume. Alors, j'ai une déclaration à faire, telle Lucrèce Borgia, dite à la fin de la pièce au fils caché qu'elle a eu avec un de ses frères. Avant de mourir, elle lui dit « Je suis ta mère, et bien moi, Guillaume, je dois te dire avant de partir, je suis ta fille. » Spirituel certes, mais ce sont les plus fidèles. Et du coup, papa, tu veux pas me faire rentrer au français, s'il te plaît? C'était Charlotte Desgeorges, qu'on pourrait écouter sur RTL.fr. C'est pas moi qui nomme, c'est l'administrateur. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est l'administrateur qui nomme pour entrer, mais c'est les comédiens, les sociétaires qui votent pour faire sortir. Voilà, on dit l'administrateur engage, le comité dégage. Oui, c'est vrai. C'est horrible.